Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter une petite collection de chez Craft O'Clock. Alors, je vous avais montré en vidéo la collection Age of Gentlemen, donc en 30-30, et là je l'ai reçue en 15-15, donc je voudrais vous montrer ça parce qu'il y a quand même 36, combien il y en a? 18 doubles pages et 3 motifs identiques de chaque. Donc, je voulais vous montrer ça et surtout le découvrir avec vous parce que des fois on se dit c'est petit, enfin c'est petit, pas si petit que ça parce que ça peut vous permettre de faire des albums dans cette taille-là et aussi de la carterie. Et ce que je trouve sympa, c'est que vous avez aussi les motifs en entier sans être obligé de les découper. Donc, sur la première page de couverture, vous avez à l'arrière des tags. Ensuite, donc on a cette page-là. Alors, là, ils les ont mises. Je regarde comment c'est fait. Tout à la suite. D'accord, trois fois. Donc, on a ensuite une page. Alors, il est assez épais hein, comme papier. Donc, vraiment, c'est intéressant. Donc, on a ici les accessoires, la casquette, les gants, des boulons, des montres. Ici, on a le personnage devant sa voiture. Personnage masculin. Après, ici, on a le whisky. Je croyais que c'était une bouteille de parfum. Le whisky, des accessoires, des planches, tout ça dans un bleu grisé et couleur un petit peu sépia. Donc, on a des fleurs ici et un motif de tissu. Là, le thème du damier. Ici, on a encore des petites fleurs dans le coin, des textes, le personnage devant sa voiture avec le candélabre. Ici, on a une couleur un peu lit de vin. Là encore, les jeux d'échecs et ici du texte et des motifs de dessin industriel. Là, c'est façon journal avec des taches d'encre. Des accessoires. Et on est reparti sur les mêmes pages. Alors, je voulais voir à la fin comment c'était. Ah voilà. Il y a une dernière page à la fin avec les jeux d'échecs et les pions. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Comment ça se terminait. Voilà, donc il y a 36 pages pour aller avec ça. Donc, vous aurez à l'achat de ce petit bloc une planche d'embellissement offerte en cadeau à découper pour aller avec. Vous pouvez utiliser des petits nappes en dentelle dans les bleus. Au niveau des encres, eh bien, les mêmes que pour Blue Note. Là, je vous ai sélectionné les deux bleus, Asian Blue et Ocean Delph. Donc, ces bleus grisés qui vont très bien avec. Vous pouvez même utiliser le vert oasis. Vous voyez au niveau du vert de cette fleur là. Ça peut aller avec la Versafine Vintage Sepia. Bon, le gel glitter pailleté argent, ça va avec aussi si vous voulez mettre un peu de punch. Les fleurs au niveau du bleu grisé, vous avez celle de chez Florella aussi qui s'accorde avec. Au niveau des œillets, je vous ai mis les bleus qui sont un bleu grisé. Voilà, il y a aussi les verts avec le vert de gris là, ça peut aller aussi. Je vous ai mis les boucles de chez Tim Halls parce que ça, je trouve que ça va bien avec. C'est assez masculin. C'est sympa pour faire une fermeture d'album. Vous mettez juste un ruban, genre gros grain, quelque chose d'assez costaud, pour fermer votre album comme avec une sangle. C'est sympa. Et vous avez aussi en solde en ce moment encore les ferrailles avec les mots journée. Lost, mémoire, histoire. Donc ces belles étiquettes en fer, couleur bronze,
qui peuvent aller avec, agrémenter votre album. Donc ça, voilà, c'est sympa, ça fait des embellissements jolis pour aller avec. Du ruban satin gris aussi, ça peut le faire. Donc voilà pour cette petite collection, je voulais vous la présenter parce que je trouve que ce format est sympa, même pour faire de la carterie. Je vais chercher un album. Par exemple, celui qu'on a fait ici, aussi la marque Craft Consortium Spring Morning, Craft O'Clock, pardon, je me suis trompée. Donc, vous avez le tuto de cet album en ligne, donc gratuitement sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Et vous pouvez faire un album masculin en reprenant cette taille d'album. Regardez, ça fait quand même un album sympa. C'est pas non plus tout petit, ridicule, hein, en taille. Voilà, je pense qu'avec la quantité de papier qu'il y a là, vous pouvez faire deux albums de cette taille-là. Voilà, vous pouvez reprendre les dots pour agrémenter le jeu d'échecs ou autre. Donc voilà, je pense que là, il y a quelque chose à faire. Moi, j'ai bien envie de reprendre ce tuto et de faire un petit album avec ce papier. Parce que après, dans la forme et l'arranger différemment à l'intérieur. Mais je trouve qu'avec ce thème de papier, ben, ça vaut le coup de ce format, de faire un petit album comme ça, de se lancer. Voilà, pour les débutantes, c'est pas trop compliqué. Faut prendre son temps. Eh bien, je vous dis à bientôt. On se retrouve lundi prochain pour commencer notre prochain album en live. Lundi après-midi à partir de 14h, ce sont nos rendez-vous. En attendant, ben, je vous souhaite une très très bonne semaine qui s'annonce enfin ensoleillée. Voilà, ben, je vous propose de regarder toutes ces petites vidéos, de prendre votre temps. Et voilà, à très bientôt !